Qui connaît la date à laquelle il faut ranger sa crèche, l'âge de Zagabor, la maladie qu'il a emportée, eh ben je te donne ma fille. Eh ben je te la rends. C'est extraordinaire de savoir ce spectacle. Ah oui, c'est spécial. Et Pierre, c'est dégueulasse, t'en as pas de fille. Ouf. Pardon. T'as pas de fille, qu'est-ce que tu vas lui donner ta fille? Bah, j'ai des filles, moi. T'as des filles, toi? C'est des balles perdues. Florence et Jacqueline. C'est qui Florence et Jacqueline? Mes filles. Ah oui? C'est plutôt Jacquie et Michel. Mais comment ça se fait que tout le monde connaisse Jacquie et Michel? Mais parce que moi je connaissais pas, mais c'est tellement marrant, Grégory. Ah oui. Comment tu vas voir un site porno qui s'appelle Jacquie et Michel? T'es obligé de dire merci Jacquie et Michel. Oh là là, c'est bien. Il faut dire merci Jacquie et Michel tout le temps. Ouais. Je sais pas. Moi, c'est Florian qui m'a fait découvrir ça il y a quelques années. Il m'a montré des vidéos, c'est impressionnant. Parce qu'il connaît aussi Jacquie et Michel. Mais tout le monde ici, on aime la culture. Mais c'est important. C'est pas vrai, monsieur Fabrice, vous connaissez Jacquie et Michel? Bien entendu. Non mais Fabrice, ça m'étonne pas. Mais est-ce que Jacquie et Michel, c'est deux garçons, c'est deux filles? Non, c'est un homme et une femme. Mais qui est Jacquie? Il n'y a pas que des PD partout. Jacquie, c'est la fille. C'est un couple. Ah, c'est Jacquie. C'est Jacquie et Michel. Ouais. Jacquie, Jean-Marie, vous semblez ne pas connaître Jacquie et Michel. Eh ben, non, moi, je préfère les jeunes, alors évidemment. Comment ça, vous préférez les jeunes? C'est les prénoms de vieux. Jacquie et Michel, oui, je sais pas, ils ont quel âge ces gens-là? Oh, ils sont jeunes. Non, ils ont réalisé un truc formidable. Comme ils s'annoncent bas de gamme, ils s'annoncent des gens comme tout le monde. Vidéo amateur. Que des amateurs. Ils peuvent mettre toutes les moches qu'ils veulent. C'est le producteur. Et c'est vraiment pas cher. Hein? Ça dépend. Après, pour les maladies, c'est pas trop cher, mais pour le... Ouais. Moi, non, pour l'amour, moi, je préfère franchement les professionnels. Tu vois, l'amateur, elle te raye le casque et tu peux même pas gueuler. Et elle te coûte souvent aussi cher. Toi, t'as le resto, t'as tout ça. Non, mais c'est devenu tellement culte qu'il y a plein de gens qui écrivent pour participer au film amateur gratuitement, visiblement. Il paraît que c'est un carton. Il y a des boutiques maintenant. Écoute, moi je sais que je le fais comme vanne dans mon spectacle. Je pensais que les gens n'allaient pas comprendre et les gens éclatent de rire. Pour Jacquie et Michel. Merci, donc je me dis, en fait, les gens ils connaissent vachement bien. Mais à quel moment vous dites merci Jacquie et Michel? À la fin de la vidéo. Attendez, les Français ont quand même toujours été, par tradition, relativement intéressés par ce sujet. Non, il faut dire, c'est vachement... Sans quoi ils ont raison. Remarquez, s'ils acceptent les amateurs, c'est peut-être... Vous voulez y aller ? Un avenir... Regardez. Non, mais un avenir pour le couple Fillon dont on se demande ce qu'on va en faire. Ce serait chouette que ça... Merci François et Pénélope. Non, mais puis, on ne tire pas sur les ambulances. Non, regardez, on n'a qu'à demander aux gens qui connaissent Jacquie et Michel ici. Levez la main ceux qui connaissent Jacquie. Oh les menteurs, les hypocrites. Deuxième question, qui a tourné pour Jacquie et Michel ?